Bon les gars, je pense que vous l'avez vu, ça fait plusieurs fois que je poste des vidéos sur des cheaters, et clairement, il y en a marre. R6 en est vraiment infesté ces derniers temps, c'est juste un truc de fou, c'est un gros délire. Il n'y a pas un seul live que je fais en ce moment. Ah si, 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 le dernier live, il n'y avait pas eu de cheater, mais c'est quand même très très fréquent. Donc ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui, on aille se défouler sur quelques petits cheaters. Enfin bref, on va aller en bannir. Vous l'avez compris, on est de retour pour un nouvel épisode de Je suis le jeu. Vous en avez l'habitude maintenant, hein, on est en Overwatch sur CSGO, ce qui nous permet tout simplement de regarder des parties de joueurs qui sont suspectés de cheat. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça vaut, ce serait peut-être bien éventuellement d'avoir ce genre de mode sur R6. En vrai, ça pourrait être intéressant, peut-être un peu compliqué à juger, je sais pas. Quoi qu'il en soit, nous sommes sur la map Office, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle celle-ci. J'ai un doute, je me rappelle même plus comment s'appelle cette map, c'est horrible. Notre suspect est actuellement avec une petite M4 des familles, il vient de faire son troisième kill. J'ai pas trop regardé les premiers, j'ai juste vu qu'il avait mis deux têtes, mais rien, enfin, en tout cas, j'avais pas vu quelque chose de suspect. Voyons voir là s'il nous fait un petit travers, une smoke. Non, il a l'air quand même bien serein, genre il a même pas fait. Oh, là il l'entend par contre. Bon, là il a l'info, hein. Clairement il a l'info. Et là, j'ai l'impression qu'il... attention. Voilà, il voit son arme. Ok. Mais j'ai l'impression qu'il regarde quand même bien là où il y a l'ennemi. Après, ça peut... c'était un peu suspect ça, non? Le dernier tir. Je sais pas, parce que des fois, les serveurs de replay, hein, ce qu'on est en train de voir, parfois c'est un petit peu brouillon. Mais bon, c'est encore un petit peu trop tôt. Il y a deux, trois petites choses de suspect. Est-ce que nous sommes sur quelqu'un avec une bonne chaise gaming, les gars? Ouais, il a tenté un petit pré-shot. Rien de bien méchant, il y avait personne. Attends, en plus, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit Overwatch. Ça fait du bien, ça fait du bien. J'espère que ça va vous faire kiffer comme d'habitude. Vous aimez bien en général, hein, ce genre de vidéo. Oh là, la petite flash, à mon avis, elle peut faire... ah non, c'est dommage, il a pas rushé. Je pense qu'il était flash, hein, pour le coup. Une frag. Oh, rien d'anormal encore une fois là. Hein. Pour le coup, il tente. Ça tire, il tente. Ses potes qui font des kills. Voilà, il l'entend tirer, donc forcément, il va rusher. Oh là mon pote, c'était comme je sais pas, parce que tu vois, si on se fie au son à ce niveau là, ça aurait très bien pu être un pré-shot avec le son. C'est à dire que bon bah, on entend que l'ennemi rush, on l'a clairement entendu. Du coup il s'est permis de pré-shot, c'est passé. Mais ça pourrait aussi vouloir dire qu'il a un petit wallhack et qu'il voit à travers les murs. Donc je sais pas, y a rien vraiment qui prouve qu'il a un cheat. Allez, peut-être une décale, un gros spray. Ok, il se l'est prise. Il check quand même bien de partout. Donc tu vois, même si le fait de voir les rayons X peut sembler parfois suspect, en vrai il check quand même bien de partout. Et il prend, bah, en fait il prend des lignes qui sont logiques. Ouais, il se l'est prise en plus. Donc tu vois. Ah, ah, peut-être qu'il est en train d'activer son cheat. Comme d'habitude, ça peut arriver en plein milieu de partie. Il est AFK. Peut-être que, parce qu'en plus ils sont en train de perdre, hein. Ça peut vouloir dire que, parallèlement au niveau de ses statistiques, il a quand même 55% de headshot, c'est déjà pas mal. 2,3 de ratio. Bon, il a clairement pas d'aimbot, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, il a pas d'aimbot parce que il prend vraiment son temps pour tirer à longue distance. Donc là, il a l'info qu'il y en a à droite. Il se l'est prise. Non, en vrai, hein, je vous assure, il y a pas de grand chose de suspect pour le moment. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, ce que vous en pensez. Mais pour moi, il y a pas grand chose. Là, c'est là où généralement ça se fight. Bon, il a réussi à en avoir un deuxième. Ok, ok, son pote a pris. Le mec, lui, il essaye de pré-shot à travers. Y a rien. Franchement, pour le moment, il y a rien. Ah, oh, il y a juste là, tu vois, je trouve ça bizarre parce que, tu vois, il va directement vers les ennemis, alors qu'en soi il aurait pu en avoir à gauche par exemple. Enfin, je sais pas. Hein. Il est en quoi là? Ah oui, il est en 14-5. Ah, tu m'étonnes quand ils l'ont report. Il a un score qui est plus élevé que tous les autres, donc forcément. Mais ça veut rien dire. Bon, du coup là il a l'info qu'il y en a un qui est là. Bah le pré-shot ne passe pas. Là on peut pas dire, tu vois, que c'est du shit parce que clairement il avait l'info. Et il a récupéré le bot.
Ouais, il lui a mise, mais il était au même endroit. Il a pas bougé, le mec. Donc là, il était un peu con. Là aussi, il a l'info qu'il y en a un là parce que son mate vient de se faire avoir. Bah, c'est... des fois, c'est un peu suspect, mais ça peut être. Bon, ça peut être des pauses logiques. Mais des fois, il est un peu suspect parce qu'il vise directement là où est l'ennemi. Et là, limite, on aurait dit qu'il a pris. Il a jeté un coup d'œil. Ah, il s'est fait laver sale. Il est toujours avec un AWAP sur cette manche. Ouais, là, il a eu l'info que c'est derrière lui. Il l'a vu passer. Logique. Oh, la collate aurait pu passer. Nice. Non, en vrai, il joue pas mal, en fait. Là, vous voyez, il voit, il y a une smoke qui arrive. Donc, il sait qu'il y en a un là. C'est logique, en fait. C'est 100% logique. Sur ce genre de move, là, on peut pas lui reprocher, en fait. Là, on a le last qui est sur la droite. Oh, il a tenté. Ah, c'est dommage. C'est dommage, à la fin, il a tenté le unscope. Malheureusement, il s'est fait tuer. Bref, c'est l'heure de la décision. Clairement, pour moi, même si effectivement il y a eu quelques petites choses de suspectes, pour moi, il n'y a pas assez. Aide à la visée, non, il n'y a rien. Parce qu'il n'a clairement pas d'aimbot ou je ne sais quoi. Aide à la vision, c'est là où on aurait pu éventuellement mettre qu'il avait quelque chose. Parce que parfois, il y avait des trucs un peu louches. Mais du fait que, encore une fois, hein, il faut être sûr à 100%, pas 99%, 100%. Pour mettre preuve irréfutable, pour moi je vais mettre insuffisante parce que dans ce qu'on a vu, il n'y a pas assez. Autre aide externe, preuve insuffisante. Mauvais comportement, preuve insuffisante. Comme d'habitude, vous de votre côté, vous avez le petit sondage qui s'affiche en haut à droite de l'écran. N'hésitez pas à donner votre avis. Est-ce que ce premier joueur cheat ou non? Et de mon côté, eh bien c'est parti pour soumettre le verdict. Allez, on enchaîne sur Inferno. Ça me fait penser à la game que j'ai fait le jour. J'ai fini en 54 kills en compétitif aussi, en ranked. Enfin bref, sur ce deuxième suspect, on espère quand même voir... Oh, oh, oh oui, oh oui, 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 oui. Ah, de la bonne chaise gaming. Oh là, alors là, 100%. De la bonne chaise gaming, les amis. Oh putain, c'était temps quand même. Ah, là, on va pouvoir se faire plaisir. Non, parce que là, on l'a vu, hein. Là, on l'a vu. Regardez, attention, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bim. Pff, attention, peut-être le dernier. Oh, il a voulu le traverser. C'est un mur qui... Ça se traverse pas. Ah, c'est honteux. Et bah voilà, les amis. On l'a, notre super cheater. Notre premier cheater de cette vidéo, les amis. Ah non, mais là, lui, il va partir en enfer direct. Il l'a pas... T'es vraiment nul. T'es une grosse... Tu t'es fait... Oh, mais il est tellement nul en plus. Le mec, il a un cheat et tout, mais il est nul à ce point. Ah ouais, chaud quand même. Chaud, chaud. Attention, encore une fois un peu. Ah, il a sorti un AWAP cette fois-ci. Il va se faire laver, je dis. Moi, je dis qu'il se fait laver, vous allez voir. Et là, ah, j'ai cru qu'il avait TK. Ah, dommage, dommage. On aurait pu en plus se mettre un... Oh là, bah oui. À travers le mur en plus de ça, mais oui. Mais je crois qu'il a la totale en plus. Hein. Il a le Wallach et la M-Bot. Regardez-le. Mais sans pression, le mec. Sans pression, la vérité. Ce qui est ouf avec ces mecs-là, c'est que c'est même pas... Ils s'en cachent. C'est comme d'hab. Ils ont tout. Ils ont tout. Tu vois, ils ont la aimbot, le Wallach, ils ont tout, mais ils s'en cachent pas. Hein. Ils s'en battent les couilles. Non, je pense pas que ce soit un aimbot. C'est un aimlock. Je pense que c'est plutôt ça. Ouais, c'est dès qu'il se met à viser qu'il va tirer que ça lock. Oh là là. Oh, bah, les gars, en face, je suis désolé, je sais pas pourquoi vous jouez, hein, mais les limites. Vous avez plus intérêt à tous vous suicider que de jouer. Hein. Ah bah lui il l'a bien compris là-bas. Regardez, il est AFK dans son camp, voilà. Voilà. Il en a marre, il a plus envie de jouer. Hein. Attention, oh là là, il balance une petite nade. Allez hop, la petite décale. Eh, c'est même pas toi qui l'a eu. Le mec, il est en 3. Il a 3 de ratio, 80% de headshot au calme. Bah, tranquille. Non mais après, en vrai, enfin, faut pas non plus se voiler la face. Hein. C'est juste les mecs en face, c'est des nuls. Hein. C'est juste que bah ils ont pas le skill. Non mais regardez, c'est juste ça. En face, ils sont nuls en fait. Je veux dire, le mec qu'on est en train de regarder, il a juste une très très bonne chaise gaming. Vous savez les nouvelles là, les nouvelles chaises gaming avec eux. Mais c'est pas une blague, il y en a qui existent comme ça les gars. Une nouvelle chaise gaming rétro éclairée, tout le merdier. Non, parce qu'avant c'était une blague, mais plus maintenant. Et c'est ça en fait, c'est juste qu'en face ils sont mauvais, ils ont pas le matériel nécessaire. Lui il a la chaise gaming rétro éclairée. C'est même pas des roulettes hein, qu'il a, c'est des tapis roulants pour avancer, c'est motorisé et tout. Hein. Ah non, mais il se rend plus la tête, tu sais. Il a tout ce qu'il faut, les accoudoirs, ils peuvent avancer, reculer dans tous les sens. Non, mais si, mais au bout d'un moment, faut voir la vérité. C'est comme sa souris, hein. Sa souris, le tapis de souris, tout est rétro-éclairé, l'écran, tout, les gars, tout. Donc bon, voilà, de ce point de vue, en fait, c'est juste qu'ils sont mauvais en face. Puis après, on nous dit que le matériel, ça change rien. Et puis lui, en plus de ça, je suis presque sûr qu'il doit avoir un écran
Clairement, il doit avoir un écran 500 Hz. C'est tellement réactif, tellement fluide. Regardez. Ouais, bah, clairement, il y a du 500 Hz là. Mais oui, il voit les ennemis avant et tout. C'est du 500 Hz, moi je vous le dis. C'est pour ça en fait, vous avez une sensation qui met des têtes tout le temps. Vous avez l'impression qu'il est trop fort. Mais non. C'est juste qu'en fait, nous on est sur des écrans. Là je suis sur un écran en 165 Hz. Mais lui, il est avec du 500. Qu'est-ce que tu veux faire, 500 Hz? On peut pas rivaliser. Enfin bref, trêve de plaisanterie. Ouais, non, clairement, c'est un bon gros fils. Hein? Voilà. Qui cheat sans pression. Regardez, il essaye de mettre des travers encore une fois. Hein? Et le mec en face, il essaye de travers, mais bah, y a que les AWAP qui peuvent traverser ça. Donc forcément ça ne passe pas et puis lui il va mourir aussi. Hop là, voilà. Hein, c'est... Non mais c'est... Voilà en fait, c'est fini. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que j'en ai marre de ces gens putain. Ah ça mérite bien un petit ban ça, clairement. Ça, tu vois, on peut pas faire grand chose sur R6, mais au moins sur CSGO, on peut les bannir. Donc on va se faire un malin petit plaisir, aide à la visée. Pour moi, il a clairement un aimlock. Il met que des headshots. À la fin, il avait genre 81-82% de headshots. Donc, preuve irréfutable. Aide à la vision! Je pense qu'on ne peut même pas douter de ça, en fait. Tellement il a fait de travers. Tellement il ne s'en cachait pas. Aide à la vision, 100%, preuve irréfutable. Au trade externe, il n'a pas fait de bunny ou de choses comme ça, il me semble. Hein, donc, preuve insuffisante. Et mauvais comportement, non, il n'a rien fait. Non, il n'a rien fait. Mais bon, dans tous les cas, ça va suffire pour le faire bannir. Hein. L'aide à la visée plus l'aide à la vision. Ce mec-là, on n'en parle plus. Il est banni. Comme d'hab, petit sondage qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Vous me dites si oui ou non, ce petit joueur a un cheat. Même si je pense que là, pour le coup, on est tous d'accord. Et moi, de mon côté, eh bien, écoutez, c'est parti pour soumettre le verdict. Allez, partons pour un troisième petit... Petit joueur suspect, parce que nous, on a faim de ban. On veut du ban. On veut du ban. Non, mais il y en a marre en ce moment, on en a ras le bol. Donc, j'espère que pour le coup. Oula, sortie. Oula, alors là, déjà, il y a un autonome. Oula, bah là, ça pue. Oui, ça pue. Voilà. Que dire de plus? Sérieux, les gars? Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Mais j'en ai marre! Mais sans deck, putain, mais fais un effort, vise pas le sol au moins. Mais c'est scandaleux, mais non. Putain, le mec sans pression, quoi. Je comprendrai jamais, hein, mais je sais pas, genre... Tu sais, des fois, t'as des mecs, ils essaient de faire croire qu'ils sont bons, en essayant de masquer un petit peu le fait qu'ils aient un... Quoi? Oui, bah alors là... Alors, franchement... Eh, alors déjà, pense à régler ton shit, parce que autant ça marche bien... Quand tu vises le sol pour mettre des têtes. Mais alors, au niveau des grenades, frère. Comment il s'est fait laver? Ah bah bravo. Ah bah GG mon pote en face. Hein. Mais non. Mais regardez. Mais qu'est-ce que... Le pire, c'est que c'est des mecs qui connaissent pas le jeu, ça. Parce que quand tu connais le jeu, je suis désolé, mais... En fait, tu tentes pas des travers dans des murs que tu ne peux pas travers. Je veux dire, c'est la base, en fait. Regardez-le. Oh! Allez, ça part. Ça fait du bien quand même de voir des cheaters se faire laver. Hein, clairement. À travers! Ouais, là, voilà. Oh, tu me déçois. Même ça, t'y arrives pas, quoi. Oh. Il a failli se la prendre. Il a vraiment failli se la prendre, là. 12 PV, il est pas bien. Allez, 4v1, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, l'autre? Regarde, il va... Ouais, vas-y. T'inquiète, il y a juste 15 murs entre toi et lui. Il y a un escalier, il y a tout, mais t'inquiète. Ça passe toujours pas. Mais il est très con. Lui, c'est quand même un mauvais cheater hein, en vrai. Hein. Non, mais je vous assure. Hein. Parce que alors oui, il fait du kill parce qu'il est en... Il est en 16-8. Mais déjà, il est mort 8 fois. Déjà, c'est un mauvais cheater. Il s'en cache pas, tu vois. Donc, c'est un mauvais cheater. Il y a un mur. Voilà, il y a une smoke, il est perdu. Putain, mais c'est quoi ce mec là? Franchement, c'est pas un cheater de très bonne qualité celui-là. Hein. Lui, il a pas pris toutes les options sur la chaise gaming, je vous le dis. Hein. Je pense qu'il a juste le rétroéclairage, il a pas le reste. Ouais. Fais-toi laver, s'il te plaît. Fais-toi juste laver. Putain! Allez, le petit rush qui paf. Ça va mettre que des têtes là, je vous le dis. Tête. À moins que en face, ils arrivent à le sortir. Voilà, tête. Allez, encore le petit dernier, tête. Allez, il y en a un autre là aussi qui est juste ici. Et une petite... Ah non. Pff, allez. Il recommence avec son shit de merde là, en regardant le sol. Ça en plus c'est chiant, regardez. Fais pas d'efforts, hein, ils pensent pas à nous ces gens là. Regardez... Non mais sérieusement.
C'est un mix, tu vois, il est pas encore au stade de la toupie, mais c'est tout aussi chiant en fait. Tu vois, c'est vraiment tout aussi chiant. Il s'est encore fait laver, hein. Il est vraiment pas bon, hein. Clairement. Franchement, 2,6 de ratio, c'est pas non plus... c'est pas exceptionnel, quoi. Et le pire... Attends, le pire dans tout ça, c'est qu'ils perdent. Ils sont en train de perdre. Non mais attends, mais il y a un cheater en face, c'est pas possible. Le mec... Attends, je sais pas s'il y a du cheat en face, parce que bon, ils arrivent quand même à tenir vachement tête à un cheater. Et moi qui passe le clutch là. Ouais, il a fait le clutch. Je sais pas, c'est bizarre, il y a peut-être des cheaters quand même en face. Quoi qu'il en soit, ce mec là, c'était sûr à 100% un gros cheater, mais il est pas très bon dans son domaine. Voilà, on a vu des cheaters bien plus efficaces que ça. Bref, allez, c'est l'heure du jugement. Perturbation majeure, aide à la visée. Bien évidemment, hein, ça on l'a vu, il avait une aide à la visée. Aide à la vision, bien évidemment. Autre aide externe. Il y a juste un truc. Est-ce que vu la tête en bas, ah bah oui, une vue à la tête en bas, c'est considéré dans une autre aide externe. Donc preuve irréfutable. Ça il l'avait. Hein, il était toujours en bas là comme un con. On sait pas pourquoi. Donc ouais non ça il l'avait. Preuve irréfutable et mauvais comportement. Non il a pas blessé TK ou quoi que ce soit. On va mettre insuffisant. Bon bref, il a quand même 3 sur 4. Je pense qu'on est plutôt bien. Ça va faire plaisir, un petit cheater de ban en plus. De votre côté, comme d'habitude, le petit sondage en haut à droite de votre écran. Vous me dites qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que oui ou non, ce joueur cheat. Et je pense qu'on est tous d'accord, hein, clairement, pour dire qu'il cheat. Mais ça va faire du bien, hein. Un petit ban de plus, les gars. Un petit ban. J'espère qu'un jour, ils vont mettre ça sur R6 ou un truc similaire pour qu'on puisse tous, mais tous, les dégager. Ça ferait tellement du bien, parce qu'en ce moment, j'en ai vraiment marre sur R6 de tous ces cheaters. Voilà, allez, c'est parti pour soumettre le verdict. Sur ce, les amis, on arrive à la fin de ce nouvel Overwatch. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Salut tout le monde, ciao ciao, bye bye.